Attaque ou pas, puis tu es bien en plus, ils ont marché jusqu'à la République. Parce qu'on va les sauver, ils sont fous. Mais en fait, c'est pour ça que je me dis, il y a des trucs comme ça qui pop, genre, ça a été décidé quand. Et il y en a aussi un à tous les jours. Et depuis quand c'est aujourd'hui la journée de la visibilité? Ouais. Je sais pas quoi. Je sais pas. Mais c'est trop bizarre parce qu'il y a plein de trucs comme ça qui se passent et qui. PMA. Je suis pas sûre pour être seule. Je suis pas sûre des mais bon, c'est ce qui prend le grand rêve là. C'est vrai que je me prends ce grand rêve. Je me aurais fait vraiment mieux. Regarde. C'est maintenant là, genre. Oh, mais il est tout, on peut venir. Non, mais c'est bon. On a le droit. On a le droit la journée là-dedans. On t'entend. Bah, la journée, t'as pas limite, hein. Bah, la journée en soi, t'as pas de limite de. T'as juste la limite de. Je suis mort. Mais sinon, t'as le droit de venir. C'est pas possible. Et là, on profite au max. Tu vois, c'est sûr. T'as avancé? Oui, j'attends le document de l'autre. J'ai le même petit fait de mes enfants. Moi j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pour l'instant. J'ai mis en place. Oui, partagé, hein. Oui, partagé. Waouh, Florence, ça va? Je te vois connecté là. Ok, partagé, je veux pas très long. Je veux pas très long aujourd'hui. Donc, partagé le direct. Je veux pas très long. Je vais commencer dans 5 minutes. Même pas dans une minute. Le temps que les gens se connectent. Ah, Mémona Durand à Paris, comment tu vas? Je te vois connecté. Ok, partage la connexion, s'il te plaît. Je vais pas très long. J'avais programmé parler de. Enfin, partager le direct. Et j'invite aussi. Eric Moumier de l'Allemagne, que je salue, et de partager le direct. On peut y aller en après-midi. Ok. Après, je le refais en bon.
Bon, voilà, je vais être bref, hein, je ne vais pas très long. Je vais tout simplement vous dire ce qui se prépare en ce moment. Attendez, je vais demander une minute là. Bon, voilà. Voilà, bonsoir. Voilà, ici c'est le Grand Prince. Voilà, je voulais tout simplement vous dire que nous avons des informations que la France est en train de faire la fille centrale monarchie. Donc on va tout simplement voir les fils du président céder au pouvoir. Et pour le Cameroun, je ne suis pas encore sûr. Je peux déjà vous parler de celui du Tchad, le Congo-Brazza, le Gabon et la Guinée équatoriale. Pour le Cameroun, c'est encore en suspens. Donc on est en train de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui est là aujourd'hui, peut-être qu'on va le tuer. Je ne peux pas vous dire. Alors je voulais ici profiter pour vous dire que je m'insurge, je dénonce le comportement du gouvernement français à l'égard de l'Afrique francophone. Je ne peux pas comprendre comment ça se fait que le gouvernement français soutient le fils de Déby. Et je trouve que non seulement nos dirigeants africains sont constamment humiliés dans l'indifférence totale. Le fait que la France se mêle de problèmes africains, je dirais francophones, c'est tout simplement parce que s'ils ne se mêlent pas, vous savez que la France n'a pas de ressources, hein, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas l'Angleterre. Donc il a besoin de ces pays pour pouvoir vivre. Et c'est pour ça que nous sommes, comme dirait quelqu'un, nous sommes les héritiers malheureux de la France. Et donc, je peux vous dire aujourd'hui que la situation non seulement est grave, mais je ne sais pas ce qui se prépare dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Dans le cas du Tchad, le fils en question va bientôt être chassé de pouvoir. Et ça, c'est le cas de lui dire. Là, je peux confirmer cette information parce que nous avons quand même des informations crédibles à ce sujet. Je voulais profiter pour vous dire que pour vous confirmer que dans le cas du Cameroun, le Cameroun va bientôt, il y aura bientôt des problèmes au Cameroun. Je dirais des troubles au Cameroun. Et je ne vais pas vous dire si c'est dans un mois, ou dans 2 mois, ou dans 6 mois. Mais ce qui suit, c'est que ça va être avant la fin de cette année. Je vous ai dit la dernière fois que le président ne va plus assister aux cérémonies. 20 mai et autres, parce qu'il est, est dans une situation, il a des problèmes à ce moment, des sérieux problèmes à ce moment. Et je suis convaincu aujourd'hui que
l'Afrique francophone, plus ou moins précisément l'Afrique centrale, est dirigée par, par la France. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Donc je tiens à vous rappeler que je viens de parler avec beaucoup de gens au Congo-Brazza. Le président Dany Sassou Nguesso est en train de préparer son fils pour être le futur président. Si jamais quelque chose de fâché lui arrive, et tout comme le président Ali Bongo. Et le président Ali Bongo aujourd'hui est en train de chercher son demi-frère qui se trouve être le fils d'Edith Bongo. Il ne veut pas que ce dernier vienne passer les vacances au Gabon. Dans le cas du Cameroun, ça va exploser bientôt. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous avez compris maintenant que la Constitution, contrairement à ce que beaucoup d'autres personnes ont vilipendé dans tous les médias au Cameroun, qu'il faut respecter la Constitution. Vous avez très bien vu que la Constitution n'a pas été respectée au Tchad. Et et nous sommes d'accord que ce qui est arrivé au Tchad peut arriver au Cameroun. Mais je ne suis pas encore convaincu là-dessus parce que toutes les informations que moi j'ai indiquent qu'on risque de respecter la Constitution, mais ce n'est pas le cas. Parce que quand je parle à d'autres personnes, ils disent le contraire. Le président a de sérieux problèmes en ce moment. De sérieux problèmes. Il a un problème de santé et qu'il ne peut plus assumer. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'il est obligé de déléguer tout le temps son pouvoir. Donc, j'ai trop mal pour ce qui s'est passé au Tchad. Je tiens à vous rappeler que la situation va prendre l'ampleur bientôt. Vous avez vu, ça va bientôt être une dynastie. C'est-à-dire que ce que nous avons vécu au Tchad, nous allons vivre ça au Congo-Brazza, au Gabon, en Guinée équatoriale, et peut-être, je ne peux pas confirmer, au Cameroun, mais ce n'est pas encore confirmé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre en garde aujourd'hui, dire aujourd'hui que... Et je profite ici pour saluer la sortie de J.-Pierre Mingono, le saluer et dire qu'il a fait un bon boulot. Mais ce que je peux lui dire, il faut que il faut qu'il se méfie maintenant quand il marche dans la rue à Paris, parce que nous avons des informations qu'il y a des gens qui sont payés pour l'agresser. Voilà l'information que moi je voulais partager avec lui. Et lui fait comprendre qu'il faut toujours regarder quand tu sors dans Paris, parce que il y a dans une semaine ou deux, puisqu'il y a des évaluations que tu comptes faire, il y a trois semaines, il y a des gens qui vont descendre sur Paris pour essayer de t'agresser. Donc il faut que tu te méfies, parce que c'est une information que j'ai reçue des amis à Yaoundé. Et J.-P. Mingono, je peux te confirmer que tu es devenu l'ennemi juré numéro un du régime en place, plus précisément ceux que tu as... Mais ce qui est sûr, c'est que tu as fait un très bon boulot et que c'est quelque chose à saluer à sa juste valeur. Vous savez, il faut dénoncer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les Camerounais et les Africains en particulier ne prennent pas au sérieux le combat que vous menez et pour libérer une dictature qui, n'est-ce pas, depuis son nom, depuis 40 ans. Alors, je vais profiter ici pour saluer tous mes amis, tous ceux qui me font l'honneur de me suivre partout dans le monde, que je reçois beaucoup de vos messages. Mais comme j'avais dit que je ne vais plus parler, parce que nous sommes sur le mois de carême, et j'ai pris un petit congé, et donc je voulais juste partager cette petite information avec vous, et qu'il y a des choses qui se préparent, et que ça va être très très difficile pour beaucoup d'entre nous au Cameroun. Je vous aime, et à très bientôt, ici sur Grand Prince Joya.